Bonjour, bonsoir tout le monde. Abdi nous bienvenue sur chaîne nous qui c'est Haïti Metro. Côté que dans vidéo aujourd'hui, nous allons présenter 5 nouvelles qui a fait actualité pour journée. D'abord sur le plan local, nous avons un garde-côte américain qui déporté 182 immigrants haïtiens qui étaient sur un bateau tout brésilétique en Caïcos. Et puis nous avons la police qui a arrêté un suspect dans le cas assassinat démissionnaire américain avec un haïtien qui était mort dans le mois de mai 2024 qui s'est passé. Et nous avons tout Yo arrêté yon directeur de l'école Nagonaïf pour viol sur un élève mineur qui a gagné 15 ans. Et pour nous finir avec information sur le plan local, nous avons ambassade des États-Unis qui parlait sous sanction contre ancien président Martelly pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. Et nouvelle que nous portons pour sur le plan international, nous allons mener dans le pays Iran côté qu'il y a un gros accident d'autobus qui fait côté qu'il y a au moins 35 personnes qui mourent et plusieurs personnes blessées. C'est tout ça que nous allons développer pour nous aujourd'hui. Et juste avant que nous commencions, n'oubliez pas d'abonner ensemble avec la chaîne pour faire ça, pour faire partie de la communauté ça et pour faire une toute dernière vidéo que nous avons pour la vidéo. Et Jean qui nous a annoncé dans ce journal là, première information que nous avons apportée pour vous permettre nous sur le plan international, côté que y a un gros accident d'autobus qui fait crever dans le pays Iran, côté que y a au moins 35 personnes qui perdent la vie. Ça, c'est un tragédie qui frappe le groupe pakistanais qui a voyagé pour une cérémonie religieuse. Accident arrivé tout près d'une ville qui est taf dans le centre pays Iran, côté que l'autobus a été gradé en pile pakistanais qui a voyagé sorti dans la frontière l'Espéria pour aller à Irak, et a pris pour participer à une cérémonie religieuse qui est vraiment importante pour eux. Selon information nous jouons, il y a 15 autres personnes qui sont blessées dans l'accident. Parmi les personnes qui sont blessées, il y a 7 qui sont en état qui est vraiment grave. Nous n'avons pas un peu de détails sur ce qui a causé l'accident pour Kounia, mais l'autorité a mené une enquête pour comprendre les circonstances. Les Pakistanais ont souvent fait voir ça pour aller dans le côté saint dans le pays Irak. C'est une tradition qui est importante en pile pour eux. Malaise a été beaucoup pour la communauté et la famille moun qui perdent la vie. Le gouvernement Iran et le Pakistan ont déjà exprimé condoléances sur les familles victimes. Ils promettent tout pour eux toute aide qui est nécessaire pour les gens qui blessent et les familles moun qui mourent. Nous souhaitons pour les gens qui blessent refaire bien vite. Et ça, c'est un rappel triste sur l'importance de la sécurité dans le transport, si tout le monde a un peu de monde qui a voyagé ensemble pour raison religieuse. Nous continuons à suivre la situation et puis nous avons plus d'informations. Et nouvelle cap dominée à l'actualité sur le plan local, nous avons un garde-côte américain qui fait déporter 182 immigrants haïtiens. Ça, c'est une opération qui fait dans samedi qui se passe dans la zone 6 de l'île de Caïcos. Selon information nous jouons, il y a un avion garde-côte ou un bateau qui a un problème dans la mer. Le bateau a été chargé avec des immigrants haïtiens. Il était à peu près 91 km dans le site d'Iletique et de Caïcos. Immédiatement, le garde-côte a été envoyé un bateau pour aller porter secours et a été récupéré tout le monde qui était sous le bateau et puis a été mené au tourné Haïti. Lieutenant Nicolas Fujimoto, qui est un responsable dans le garde-côte, lui parle sous danger voyage ça. Il dit que la saison cyclone est un peu très dangereux pour les gens qui ont fait voyage illégal sur la mer. Il explique que le garde-côte a observé la mer tout le temps pour empêcher les gens mouri dans Jean de voyage sa yo. Et Lieutenant Fujimoto bayon avertissement tout, li dit si bateau sa yo pas bon pour faire gros voyage sous la mer, yo pas ka kembe le gen gros la mer a gen mauvais temps. Depuis octobre 2023, garde côte américain déjà voué 507 immigrants haïtiens tourner la caillou et ça montre que problème nan vraiment grave dans pays nous. Et gen l'autre officier qui c'est Lieutenant commandant John Bill qui bayon message important côté qu'il dit n'importe monde qui veut entrer aux États-Unis doit faire ça de façon légale puis gars gens prend la mer. Il explique que l'entrée illégale dans le pays États-Unis a des conséquences. Et les gens qui essayent d'entrer illégalement ont perdu des chances pour jouer asile dans le pays États-Unis. Et ils ont voulu retourner dans le pays yo, et puis ils ont interdit d'entrer dans le pays États-Unis pour au moins 5 ans. Il y a même qui ont joué plus de problèmes avec la justice. Et pour finir, garde-côte a dit qu'il a continué à surveiller la mer avec un pile vigilance. Il y a un avion, bateau et l'autre équipement qui a surveillé toute zone dans la mer Caraïbes. Objectif, c'est protéger la vie monde et puis empêcher les gens d'entrer illégalement dans le pays États-Unis. Et ça, c'est une situation qui grave en pile. Il montre nous que les gens qui en pile haïtiens prennent gros risque pour quitter le pays. Mais il montre tout que les autorités américaines déterminées pour empêcher l'immigration qui est illégale. Nous espérons que le gouvernement haïtien et la communauté internationale prennent des mesures pour améliorer la situation. Et l'autre information que nous portons pour dans le journal là, nous avons la police nationale d'Haïti qui fait un gros progrès. Dans l'enquête qui a mené sur l'assassinat de missionnaires américains et haïtiens qui étaient passé dans la zone Lison 49, dans la date qui était 23 mai 2024. Le jour qui était vendredi 2 août 2024, la police a arrêté un suspect qui est Benny Célestin, mais c'est ça qui a 52 ans et puis il sorti dans la grande danse, mais il a vécu au Ghana depuis longtemps. C'est grâce à ce système à la police là qui a été arrivé à une information qui permet d'arrêter sur route aéroport dans la zone 3 mai. Victime, c'était David Lyol qui était 23 ans et Madame qui était Nathalie Lyol qui était 21 ans.
Yote des jeunes missionnaires américains qui t'a fait travail charité dans pays a, yote gen orphelinat côté que t'a prend soin plusieurs centaines de moun. Troisième moun qui t'est mouri, c'était Jude Montis, yon haïtien qui t'a dirigé orphelinat ça. Assassinat ça a été fait en pile bruit dans pays a à l'étranger tout. Il était choquant en pile parce que t'a joué une corde des jeunes missionnaires au boulet. Ça t'a brisé que famille yo ak tout moun qui t'a connait yo. Et d'après ça la police dit, yo t'est arrivé joué une Célestin parce qu'elle t'a utilisé 4 SIM téléphone David Yoda yon jour après crime nan, mais Célestin dit li pa gen rien pour jouer avec Zack ça. Il dit qu'elle est innocent. Et arrestation ça a si un gros pan enquête là, mais gen en pile travail qui était pour fait. Et la police a continué chercher l'autre monde qui était capable participer dans crime ça. Et nouvelle ça montre nous importance sécurité dans pays a, surtout pour monde qui fait travail humanitaire. Li montre tout nécessité pour un système justice qui efficace pour résoudre crime comme ça rapide et puis pini monde qui fait. Même activité secrète comme fait sécurité des échanges pour nous. La police à travers des CPJ interpellé individu ça vendredi 2 d'août 2024 là dans zone 3 mai Wout aéroport nan cadre enquête de CPJ a mené sous dossier assassinat deux citoyens américains ak yon haïtien bandi ak zam te touye nan zone Lison 49 plein kil de sac nan pati nord Port-au-Prince lan. Dram sa passé nan la nuit 23 pou l'ouvri 24 mai 2024 la. Victime yo David Lloyd 23 l'année ak madame Lee Nathalie Baker Lloyd 21 l'année, se petite fille Ben Baker représentant républicain état Missouri. Jeune couple ressortissant américain sa yo te responsable yon ONG évangélique américaine kap bay service de population haïtienne lan sitou nan plein nan depuis plusieurs années. Ak Jude Montis, yon citoyen haïtien directeur institution sa ki li même jwenn lan mòl tout nan drame si la. Yon crime ki te plonge nan tristesse divers couches nan population haïtienne lan. Même jan ak plusieurs lot pays. Si tout peuple américain après gang criminel yo te assassiné trois moun sa yo et puis te même exposé sur réseaux sociaux yo image cadavre yo qui choquant en pile depuis rive nan tête police la comme commandant chef monsieur Ramonor Mildi récréation en fini faut tout bandi yo joine mon pièces yo nan sans ça direction centrale police judiciaire de CPJ saisi dossier l'ouvrir enquête nos objectif pour y mettre en barcode tout individu qui gagne au trempé dans zak criminel ça c'est dans cadre filati DCPJ rivé interpellé Benice Celestin en barcode information enquêteur disposé prouvé 4 SIM téléphone David une victime yo té utilisé sous boîte téléphone pas Benice Celestin dans date 24 mai 2024 là tout suite après zak la té fin commettre qui donc un jour après. Mettez sous ça, dans le moment interpellation li, la police joue même boîte téléphone ça dans main Benice. Malgré toute évidence ça yo, Benice voye jeter accusation yo. Bon bah à passer mes amis tout le monde tendez vous tendez tout commandant bon bon qui est qui est qui est bon les amis bon des oreilles vous tendez comment faire sim une nom qui mourir au téléphone téléphone expliquez-nous ça clair moi m'ba kon ça dit dit ça pour diable moi m'ba kon rien m'ba kon rien m'ba kon si sim té côté me venir à sim bon ça me là pour sim américain ta tout sous téléphone. Benice Celestin qui confirmé li té tande coup de balle t'a changé dans la nuit crime nan té commettre là toutefois pral contredit tête li sous date li vinn habiter dans pleine nan. L'autre temps de ta parler des Américains, qui j'entends de te tirer. Même pas connait madame, pas connait si a tout roche si a zame. Pas attendre comment oui non, attendre pas la tirer à moi, pas connait qui est, pas téléphone là, comment elle va bon. Bon même
N'a fait remarquer, la police a continué à chercher tout partout. Tout individu qui a le droit de tremper une action criminelle, ça. Jodi a des CPJ pose la patte sous Benissé, et bien ou même acolyte Lio, tant tout pas, parce que récréation finie. Et l'autre information que nous avons apportée pour nous, là, nous avons dit que c'était l'école de la Gonaïve qui a été arrêtée pour viol sur une jeune fille mineure. Nous avons dit que c'est Pierre Penela, le directeur pédagogique de l'institution mixte Bernier Coulange de la Gonaïve. Il a acquis des viols et tentatives d'avortement scientifique qui a 15 ans, qui sont élèves dans l'école. Selon l'information que nous avons, si fille n'a pas passé à l'école 2023-2024 parce qu'elle a eu quelques matins qu'elle n'est pas ici. Et le directeur a tout profité de la situation pour bâtir à un rendez-vous. L'idée c'est qu'elle a organisé une reprise pour aider le monter dans la classe qui supérieure, mais ça qui t'est passé, ce n'est pas ça du tout. Directeur a terminé Tifi à un hôtel côté qu'elle était forcée de faire activité sexuelle ensemble avec lui. Après ça, Tifi a été enceinte d'après ça qu'elle a dit, mais ça qui est plus grave là, directeur a essayé de faire Tifi à faire avortement. L'idée est même contacté une infirmière qui a commencé à faire Tifi à médicaments pour tout le bébé ça ou soit empêcher de développer. Et c'est Tifi ça lui-même qui t'a raconté maman ça qui t'est passé à Ekounia. Pierre Penela dans prison, l'apten pour juge instruction poser le question sous accusation sa yo. Monsieur Elou Jean, qui est directeur régional Institut du bien-être social et recherche, te voye une note by la presse pour exprimer satisfaction après arrestation Pierre Penela. Elle dit que arrestation a été faite avec aide la police à juge de paix section Nogounaïvla, qui c'est Monsieur José Alexis. Et au terme de l'arrestation qui est signé par juge instruction tribunal, qui c'est premier instance là, qui c'est Monsieur Guy Mitello. Nouvelle ça a montré nous encore une fois que gentil moun yo si tout jeune fille en danger même dans espace qui t'a dû protéger autant pour l'école. Li montre tout qui gens qui moun qui dans position autorité ka abuser pouvoir pour faire moun mal. Et nous espérer que la justice fait travail dans cas ça et puis qu'il a servi comme un exemple pour tout moun qui t'a pensé abuser ti moun petit. Et dernière nouvelle qu'on a porté pour aujourd'hui, nous gen ambassadeur États-Unis en Haïti qui c'est Dennis Hankins qui fait ba une déclaration qui fait un pile bruit. Côté qu'elle parle sous sanction département Trésor États-Unis prend compte ancien président haïtien qui c'est Michel Joseph Martelly et ça c'est une nouvelle qui frappe en pile monde. Sanction ça revenu après accusation grave contre Michel Martelly, yo dit qu'elle t'ai participé dans trafic drogue et puis t'ai fait blanchiment l'argent. C'est parti bagaille. Nous connaît drogue avec blanchiment l'argent, c'est des problèmes qui fait en pile dégâts dans pays nous. Ambassadeur Hankins te ba une conférence pour la presse en ville cap haïtien pour parler sur sujet ça. Côté qu'elle expliquer que gouvernement américain pas pressé pour prendre décision ça. Yo te prend temps pour te ramasser toute preuve yo te besoin contre ancien président. Et ça qui est plus intéressant, c'est façon que ambassadeur a parlé sous criminel yo. Li di yon bagay qui fait nous réfléchir en pile côté qu'elle dit, nous besoin arrêter criminel à cravate yo, même gens à criminel à exam yo. Ça veut dire que pour lui-même, yon monde qui fait crime à costume sous lui-même li dangereux tout même gens qui monde cap marcher exam dans la ria. Et parole ça a montré nous que gouvernement américain veut prendre action contre tout monde qui fait crime, quel que soit position dans la société a. Ça c'est un message qui fait en pile. Si tout là nous considérer que Martelly c'était un ancien président. Ambassadeur a pas seulement parlé pour gouvernement américain, dit du tout que gouvernement haïtien a besoin de faire même bagarre là tout. Ça veut dire que les quoi question bataille que tous les pays ont besoin mener ensemble. Et nouvelle ça a soulevé en pile question. Est-ce que ça veut dire que nous allons plus enquête sur notre chef dans le pays? Est-ce que ça va changer façon nous crime dans le pays nous? Est-ce que ça va aider nous dans la bataille contre corruption? Nous pas oublier que sanction ça contre Martelly c'est pas un petit bagaille. Ça a gagné gros conséquences sur la relation entre Haïti et États-Unis et puis tout sous situation politique dans le pays notre. Et en pile monde attend pour qui ça qui va le passer après ça. Est-ce qu'il va gagner l'autre sanction? Est-ce que l'autre pays pourra suivre exemple États-Unis et qui ça gouvernement haïtien va le faire? Nous besoin nous gouvernement États-Unis, gouvernement haïtien, nous besoin frapper criminel à cravate même gens à criminel à exam. C'est important que, et même aujourd'hui, le secrétaire d'État a dit que n'importe quel rang, quelle position, c'est important que les élites qui font des efforts pour déstabiliser Haïti, pour
compliquer la vie des Haïtiens doit être traité dans le même sens. Donc vous croyez que l'ex-président est l'un des clous de la cravate, monsieur le Rassembleur? Oui, alors c'est dans notre déclaration qu'il était engagé dans le trafic de drogue et il a aidé les groupes, les gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, c'est le limite des sanctions. Les sanctions, c'est économique contre lui pour le moment. Mais ça, c'était notre détermination. Et il y a des autres et on continue de travailler de notre propre ressource, mais aussi avec le gouvernement Haïti, de voir s'il y a des autres élites, soit en Haïti, soit aux États-Unis, qui font des efforts pour déstabiliser votre pays. Et c'est là que nous mettons fin avec l'information pour aujourd'hui. Je vous remercie parce que vous avez fini cette vidéo ça jusqu'à la fin. Et juste avant que nous allions, nous avons dit que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Nous n'avons pas oublié d'abonner pour faire partie de la famille pour faire toutes les dernières vidéos que nous avons pour nous. Et nous n'avons pas hésité à partager les vidéos pour faire plus de monde.